plus de 1500 cas de violation des droits humains enregistrés au Cameroun en 2021. Selon un rapport rendu en février 2022 par l'ONG Un Monde à Venir. Au Cameroun, plusieurs citoyens ignorent les instruments pouvant les aider à protéger leurs droits ou à réclamer justice et réparation. Il y a des instruments que le gouvernement de la République met en place, mais qui ne sont pas suffisamment vulgarisés. C'est une des missions de DDHI. L'Organisation pour la défense des droits de l'homme, plus connue sous le nom de DDH International, se positionne comme gardienne des droits de l'homme. Par la voie de la dénonciation, tout simplement. C'est-à-dire, arrêtons de nous taire. Arrêtons de fermer les yeux et d'utiliser le slogan qu'on connaît de tous les Camerounais. On va faire comment? Non, il y a quelque chose à faire. La cérémonie d'installation du délégué régional adjoint du littoral a permis à l'organisation de mieux s'ouvrir à la population. En tant que délégué, j'aurai tout le temps de bien m'asseoir avec mon équipe et voir comment nous allons accomplir ensemble cette mission. Pour ce qui est du cas Martine Nzogo, elle a ambition de créer une intelligence collective pour la préservation et la protection de la liberté de la presse et des journalistes. Donc la première chose à faire, c'est que ces informations, ces abus, nous soient portés à notre connaissance. Cette organisation lutte également contre la corruption, les détournements de deniers publics, mène des enquêtes, dénonce et saisit les autorités compétentes, nationales